Qu'est-ce que vous pensez du thème de cette année? Cinéma et participation à cette édition 2009 aux États-Unis. Le fait que les gens camerounais et que j'aime et que je veux justement travailler dans le monde culturel et je trouve que c'est des écrans pour moi et voilà, je le fais et j'en dis ce que je vais pour en tant qu'animatrice culturelle en tant que relation publique auprès de la directrice qui m'inspire beaucoup. Voilà. Et dites-nous ce que vous dites. Comment est-ce que vous évaluez pour le festival? Comment vous trouvez cette édition 2009? Oh, je la trouve en cours de toutes les autres éditions. C'est vrai, chaque année, on a toujours des petits problèmes. Mais sans conséquence, c'est parce que le festival se déroule toujours. Dans les salles, il y a des projections. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de salles, mais il y a des projections. La compétition pour les nouvelles sur les premières jeux. Quel conseil est-ce que vous pouvez donner à un jeune qui veut aussi se lancer dans le métier? Mais il est réfléchi ça deux fois et il comprend que ce n'est pas un métier facile, au contraire, c'est très difficile. Déjà, savoir, je ne sais pas, cinéaste, en tant que monteur, réalisateur, mais quel que soit son choix, ce n'est pas du tout facile pour moi. Une fois cinéaste, une fois chercher donc quelqu'un qui est capable d'acheter des films, mais je ne suis pas certaine que c'est facile encore dans le Cameroun, non pas encore ces conditions de la que je fais. Il regarde de loin le cinéma, Cameroun en particulier. C'est pas du tout facile, mais c'est passionnant, très passionnant. Ok, voilà, une dernière question encore, c'est que nous la posons. Voilà, comment est-ce que vous évaluez le cinéma africain aujourd'hui, le cinéma africain en général? Comment est-ce que vous l'évaluez? Par rapport aux autres cinémas, par rapport avec tout le chemin que le cinéma africain a parcouru, comment est-ce que vous l'évaluez? Comment est-ce que vous l'avez trouvé? Vous trouvez ce cinéma? Oh, je ne saurais comparer parce que chaque continent a ses spécificités. On ne va pas dire qu'on va faire du cinéma comme les Américains. C'est africain parce que c'est comme ça que ça se passe. Tout ce que je veux, c'est qu'il y ait